commencé à montrer des choses au monde. Je suis en train de faire ça. Parce que ma fille, elle aime ça d'être dans la caméra. Jeunes vacanciers. Moi, j'aime mieux les jeunes vacanciers corrompus. De belle vie. On prend le café à la santé. Là. Comme du monde que ça, c'est fait. Vas-y, Clan Boxer, arrivez. IBM, sir. Pas les bons outils pour le faire. De quel côté de l'abattoir que je dévisse? Du côté. Tu veux-tu un lait?
Oui, je vais pas s'embarquer parce que c'est collant. Oui, tu vas aller chercher le poulet. Mais pourquoi tu vas garder ton eau à ta poêle? Là, t'es sauve. Bien, va voir dans la porte, là. Butler, que êtes-vous en train de faire? Je suis en train de couvrir le siège parce que je me suis fait salir à cause des actions d'une personne, d'une tierce personne. Je t'ai vu. Est-ce que vous êtes beurré sans peinture? Effectivement, effectivement. Je ne sais pas qui a fait la peinture, là, mais en tout cas. Ah, c'est épouvantable. Comment est-ce qu'on peut être beurré? Toute la gang s'est beurrée. Ma jeune fille ici présente a beurré un beau manteau. Le fils de mon autre ici, M. Pierre-Marie, s'est fait beurrer lui aussi. Mon épouse s'est fait beurrer, ma jeune, mon autre, j'ai fait. En tout cas, tout le monde s'est fait beurrer, c'était écœurant. On a même installé des balançoires là-bas, là, vous pouvez voir tout à l'heure. Là. Puis les chaînes avaient été peinturées. Et qu'on s'est beurré toutes les mains, puis on a dû se décroter au WD-40 dessus. Si vous saviez. Là, au moins, on peut s'asseoir. Oui, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Comme vous voyez, c'est l'herbe. Alors, comme vous voyez, le fils de Lynn et Marc Charbonneau, il vient juste de changer. Henri, sa bite-bite de table qui vient d'être franchement peinturée quand je prépare cette semaine. Ils ont mis de lever la chaîne comme il dit, là, c'est pas ça. WD-40, c'est écœurant. Ça coûte cher, ça, WD-40, de fond. C'est pas ça qui coûte cher, c'est là que ça l'a fait. Non, c'est pas ça, c'est parce que ça doit sécher moins. C'est voulu. C'est ça, et là, j'en ai mis. Heureusement que Jean-Paul II est venu à notre secours encore une fois. Merci Jean-Paul. Comment ça Jean-Paul II? Regarde ici, Jean-Paul II. Jude probablement. Je sais pas si c'est un Jude. Dans... Par la main. Je sais pas si c'est un Jude qui était dans le coin. Ici! Comme ça, ça chute la tente. C'est la même. Oui. Ça nous a coûté très cher. Regardez ce sac-là, Miracle Mark, OK? Même on est allé faire notre marché chez Richelieu, puis finalement, en désespoir de cause, on est allé voir Jean-Paul II. Quoi? C'est pas bien? On est au sec, on est au chaud. La table est possible. Voici la table. On a une Américaine évadée. Miami, là, ça, c'est ma soeur. C'est évaporé. Ça, c'est Christine, ça, c'est Daniel, ça, c'est Claude, puis ça, c'est Marie. Yeah. Assez, je trouve. Assez. Tu me comprends? Hein? Il est revenu au début, j'avais dit. Non? Assez, là, je trouve. Assez. Ah, hey, c'est-tu à quelle occasion on avait donné ça? Saint-Valentin. Nous avons eu la première journée de la Saint-Jean-Baptiste, ça fait la première moitié de la journée, ou les trois quarts de la journée, presque la totalité, à débarbouiller tout le monde, qui se sont peinturés partout. Sur la peinture. C'est des dégâts épouvantables. Monsieur Butler veut nous poursuivre pour 40 pièces de vêtements qui ont été détruites. Fiston veut me poursuivre parce qu'il s'est fait laver au WD-40 puis il n'a pas aimé ça. Ma femme m'a engueulé. Elle dit qu'elle veut se divorcer parce qu'elle ne peut pas endurer le fait d'être peinture à peinture rouge. Christine, c'est la seule qui aimait ça, se faire peinturer à peinture rouge. Oui, elle a bien aimé ça. Par ailleurs, on ne sait pas trop quoi faire pour le reste. C'est épouvantable. Moi, je trouve la dépression la plus complète depuis ce temps-là. Alors, à la prochaine. Ça fait pas d'exercice, par exemple, je n'avais jamais joué au béni. Mais j'adore jouer au béni. Vous allez avec RG Bernard, c'est ça? 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 Comme elle fait ça, à l'envers. Voici le petit
vu, Marc-Claude, allez! C'est une femme, hein? Justine! D'accord, c'est juste une tellement bonne! C'est Marc! On est allé voir chez le vent, c'est ça? Oui, puis... Il aime ça faire des choses. Ça fait nappe, papa! Quand je vois un point d'eau, ça rend, je le pense. Elle va aller dans le point d'eau. Yes! Ça fait 19! Ouais. C'est quoi? Ça, je dis, quitte à ce que je tombe malade. Puis, c'est un peu bon, ça. Oui, elle c'est un peu Décontracté. Oui. Je vais de filmer n'importe quoi, n'importe quoi. C'est parti. Bon. Voilà. J'allais sauter. Mais c'est ce qu'il fait. Ah ben non, on n'a pas d'un. Ah, voilà. Et moi. Elle adore ça. On est bien parti. Christiane, devais-tu voir sauter là? Il y a la grâce aussi. Ah, jamais tu vas visiter la parfumerie, une chose courage. Tu Marie, on mange le gâteau là. Ça, c'est une petite fête, là. C'est ça, puis quand c'est ça, c'est ça. Christine, t'avais-tu de... Viens, j'ai un petit verre pour toi, je te l'aime. C'est un beau balai. C'est quoi, c'est un bon signe? Un Seigneur des Anneaux. Mais ils sont en haut d'un œil d'auto qui mange. Hein. C'est plusieurs filles que je vois qui apprends. Tu veux marcher écartillé? C'est la moche. Ouais, c'est allé mettre les tours, on va aller mettre les pantalons, c'est froid. Non, tu le penses là? À quoi ça, t'as 2 heures? Puis le... La grande. Le numéro? C'est ça! Quel rangé qu'on est?
Faudrait que j'essaye ça, ouais. 5 minutes, parce que là, j'ai la vaisselle. Puis si j'ai un souper, puis une petite préparation, je vais faire ça. Parce que sinon, je vais avec les enfants, puis ça va. Ça vaut 2 tasses. Et puis là, tu cours avec un. Faites attention.
Je suis rentrée, on est venu de Toronto le vendredi. Ah, tu veux du jus?